Salut à vous les amis, c'est Freddy et on se retrouve pour un nouvel épisode de The Secret of Monkey Island, édition spéciale toujours. Il a plus de gueule hein, en pixelisé le bateau, non? Donc, on a acheté un bateau, il ne nous manque plus que l'équipage. Donc quand on aura l'équipage, on reviendra ici et on aura le bateau. Et pour l'équipage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller là-haut. Et normalement, on devrait trouver quelqu'un, parce que c'est vrai que c'est un point que j'ai évité là-haut, mais on peut y aller. Si il se dépêche. Allez, vas-y, monte. Et alors là, rappelez-vous de ce que j'ai ramassé au tout début du jeu. Un poulet avec une poulie. Comme ça, on va voir la maison. Hook Island, restroom et souvenir. Donc toilette, souvenir et l'île de Hook, l'île du crochet. Ouais, il n'a pas l'air d'un crochet, hein, si on... Ce que j'aime beaucoup, c'est les anachronismes aussi. Ah, et les décors aussi qui sont très ressemblants toujours. Allez, vas-y. Hey! J'aime pas les visiteurs. Qu'est-ce que tu veux? Le gouverneur a été kidnappé! Pardon? C'est absurde. Ah oui? Regarde ce mot qu'ils ont laissé. Oh non. C'est terrible. Qu'allons-nous faire? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai décidé de lui donner une voix sans émotion. Je connais pas du tout le mec, hein, mais pourtant je lui parle. On peut engager un équipage et aller à leur poursuite. Quelle bonne idée. Si seulement on avait un capitaine. Et moi alors? Toi? Ah 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 ah. Il rigole longtemps. Tu veux me faire rire? Non, je plaisante pas. Tu es sérieux? Je suis tout à fait sérieux. Dans ce cas, prouve-moi ton courage. Viens par ici. Je veux te montrer quelque chose. Approche. Quelque chose de terrifiant. Quelque chose de si terrifiant que je reste éveillé la nuit en y repensant. Mais je ne veux pas te faire peur. Je suis sûr qu'un grand type courageux comme toi pourra faire face à ce monstre. Après tout, il est plus petit que la bête qui m'a mutilé dans mon enfance. J'espère que tu seras plus rapide que moi. Oh, t'as pas de chance. Comme par hasard, j'ai oublié de le nourrir cette semaine. Quel idiot. Je te laisse ouvrir la dernière porte par toi-même. Laisse-moi m'écarter un peu. Attends. Ah, mince, attends. Tu as peur? Non, mais je sais pas quoi faire. Tu dois ouvrir cette porte. Et si tu es assez courageux, touche la bête qui se trouve à l'intérieur. Oh, c'est tout. D'accord. D'accord, vas-y. Si tu as le courage. Ok. Horreur! Bah voilà, c'était. Je n'en crois pas mon œil. Après tout, tu es courageux. Tu as réussi à faire face à la bête qui m'effraie. J'ai peur d'un perroquet, quand même. Qui m'effraie depuis des années. Tu as le courage de faire ce que je n'ai pas eu le courage de faire. Je me sens si lâche tout d'un coup. Je ne suis pas digne de ton équipage. Je suis à peine bon à éponger le pont. Ouais, bah si mon gars, j'ai besoin d'un mec, donc tu vas venir avec moi. Allons, calme-toi.
Meat hook. Crochet à viande, hein, quand même. Tu es un beau mec costaud avec un super tatouage. Je peux le faire parler, tu veux voir? Peut-être plus tard. Tu sais, tu peux éponger mes ponts quand tu veux. Tu es sincère? Bien sûr. Je peux faire partie de ton équipage? Fais tes valises et rejoins-moi, Doc. Ok, merci, merci. Oh, merci, merci, pardon. Je ne te laisserai pas tomber. Pas facile en fait de faire des voix parce qu'en plus je garde à peu près la même voix entre chaque voix. Une fois en mer, je pourrai te montrer les tours que je peux faire avec mon tatouage. Tout le monde est content. Bon, on en a un. Allez hop. Des câbles avec poulet, merde. Il y a quelques bugs quand même graphiques. Hein. Faut reconnaître qu'à l'époque du pixel, il n'y avait pas ces problèmes-là. Je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à faire un aussi bon jeu que mon Kaïland avec des beaux graphismes. Et si on regarde, des fois, les textures passent devant l'autre alors que faudrait pas et tout ça. Il y en a une autre qu'on peut engager. Otis, lui, s'est barré comme un lâche. Mais vous inquiétez pas, il reviendra au moment où il le faut. Allons voir la reine du sabre. Non, pas encore tout à fait. Alors espérons que ça ne dure pas trop longtemps parce que ça va bientôt faire 10 minutes qu'on joue. Tu as déjà le t-shirt. Qu'est-ce que tu me veux de plus? Le gouverneur a été kidnappé! Pardon? Mais c'est ridicule! Ah non! C'est mauvais signe. Très mauvais signe. Je vais acheter un navire et engager un équipage pour aller la délivrer. Je vais sans doute le regretter plus tard, mais bon, j'y vais. Je te rejoins sur le dock. C'était plus rapide et plus simple que ce que je pensais. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah si, il faut qu'on aille voir Madame Vaudou. Elle a dit qu'à ce moment-là, il faudrait revenir la voir, je crois. Donc on va essayer d'aller voir. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut revenir la voir. Et en fait... Ah bah voilà, Stan. Te voilà! Heureusement que tu es venu! Il y a 10 personnes qui ont essayé de m'acheter cette beauté alors que je reste là à t'attendre! Mais je leur ai dit rien à faire. J'ai un client qui est amoureux de ce navire et ça lui briserait le cœur de le perdre. N'ai-je pas raison? Bien sûr que j'ai raison. Regarde-le un peu. Élégant, aérodynamique. Une beauté flagrante couverte de moule. Ouais. À voir. Hein. Quel moment émouvant! J'ai changé d'avis. Je ne peux pas le vendre. Tu peux reprendre ton argent. Comment me séparer de quelque chose d'aussi précieux? Mais en même temps, une affaire est une affaire, n'est-ce pas? On est d'accord. Quel enfoiré ce mec. J'y vais. Attends, j'ai presque oublié de te donner cette brochure sur les voyages en mer. C'est un cadeau de ma part. Rappelle-toi qui te l'a donné. Stan! J'aurais dû acheter une assurance quand même. Bonjour toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Otis, je pensais jamais plus te revoir. Je rate jamais une occasion de me faire un peu d'argent. De l'argent? Ouais, on est bien payé. Je suis dans le pétrin, c'est pas grave, on verra ça au prochain épisode. Et oui, parce qu'il me demande d'être payé. Donc,
nous allons voir comment est-ce que nous allons nous en sortir au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça fait beaucoup de fois le mot épisode à la fin d'un épisode, c'est quand même pas mal. En attendant, je vous dis à plus. J'espère que l'épisode vous aura plu, j'ai déjà dit ça. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, favoriser, vous abonner, c'est vous qui voyez. Moi, en attendant, je vous dis à plus. C'était Freddy, salut!